cet été, je ferai un jardin. Si tu veux rester avec moi encore quelques mois, il sera petit, c'est certain. J'en prendrai bien soin, j'en prendrai bien soin, pour qu'il soit aussi beau que toi. Pour moi, les impatiences, c'est une occasion merveilleuse pour mes patients d'avoir une activité qui est normalisante. Une activité où ils peuvent justement s'exprimer, s'exprimer avec les autres, développer ou renforcer leurs habiletés sociales et s'exprimer à travers l'art, exprimer ce qu'ils vivent, exprimer leurs émotions. Alors pour moi, les impatients, c'est l'expression artistique de personnes qui veulent guérir et contribuer à notre société. Pour moi, les impatients, c'est toute la beauté et la magie de l'art pour exprimer ce qui bouillonne en dedans, que ce soit beau ou pas. Pour moi, les impatients, c'est de la sincérité, c'est de l'honnêteté, c'est des vrais sentiments, c'est de l'amour, tout ça en forme, en image et en couleur. Pour moi, les impatients, c'est une belle façon de s'exprimer à travers les couleurs, les formes, pour parler de ce qu'on a en dedans, pour parler de notre vie et surtout pour la faire connaître et découvrir aux autres. Encore quelques mois, il sera petit. Pour moi, les impatients, c'est un moyen de rencontrer des gens qui ont la même passion, l'art. Et puis, c'est une évasion aussi. On travaille sur une œuvre, puis on oublie tout le reste. Il n'y a plus rien que ça qui compte. Il n'y a pas de préjugés ici. On est accepté, on a des amis, on se fait des amis. C'est une place très, très intéressante. Puis, je suis contente d'avoir connu les impatients. Cet été, je ferai un jardin. J'ai une confidence à vous faire. L'expo des impatients vous permettra de voir des œuvres qui vous toucheront droit au cœur. Ne boudez pas votre plaisir. Venez à l'exposition du 29 janvier au 16 février à la Galerie des Jardins.